Salut tout le monde. Allez, dis bonjour. Salut là. Hein. Bon, je suis parti à Carrefour Occasion et je suis revenu avec beaucoup de jeux. PlayStation 1 et c'est du lourd. Je vous montre ça tout de suite. Tu veux dire un truc? Ouais, t'as oublié de Xbox 360 et un Wii. Ouais, bon, je voulais parler des jeux PlayStation 1 parce que c'est plus important. Bon, je vous montre tout ça tout de suite. À tout de suite. Bon, on va passer à ce petit compte-rendu de ce que j'ai acheté à Carrefour Occasion. Franchement, des prix de malade. Bon, des prix de malade à force quand tu t'en prends beaucoup. Ça fait quand même un billet. Ça m'a fait quand même 154 euros à la fin. Le vendeur a été cool car il a accepté de négocier un peu. Il m'a baissé les jeux. Je crois que l'ensemble, le total de réduction qu'il m'a fait, c'est revenu à 41 euros de moins. Donc, ça aurait dû me revenir à quasiment 200 euros. Et finalement, ça m'est revenu à 154 euros. Donc, c'est pas trop mal. C'est cool de sa part, vendeur de Carrefour Occasion. Bon, vas-y, on présente les jeux. Il y en a beaucoup, les gars. Ah ouais, là. Allez, vas-y, présente. Là, ouais. Monster Hunter 3. Monster Hunter 3 Trilogy. Alors, celui-là, il était à 5,99€. Je l'ai chopé à 4 euros. Il est complet. Alors, il y a beaucoup de jeux qui sont en très bon état, mais d'autres qui sont un peu rayés. Celui-là, je crois qu'il était quand même en bon état d'ensemble, ce Monster 3 Trilogy. Donc voilà, je suis quand même content. Monster 3 Trilogy, chopé à 4 euros et 6 euros. Content. Ensuite. Lost Planet 2. Lost Planet 2. Il faut vous montrer un temps code comme ça. Vous voyez, c'est quoi. Il était à 4 euros, il me l'a fait à 3 euros. Donc content. Complet, tout nickel. Ah ouais, là, tu auras du grand travail là. Ah, par contre, ouais, j'avais pas vu ça. Mais Otis, elle est un peu endommagée ici. On va essayer de la remettre délicatement sans trop abîmer. Ce qui me paraît un peu chaud. Ah, mais c'est faisable. J'y arrive quasiment. Ah, ouais, c'est bon, j'ai réussi à la remettre correctement sans trop abîmer. Donc voilà, Lost Odyssey 2. Lost Planet 2, excusez-moi, pardon. 4 euros, j'ai chopé à 3 euros. Donc cool. Je suis content de l'avoir, je crois que je n'avais pas. Beaucoup de travail, là, ensuite, celui-là, je n'avais pas. La dernière fois, j'avais vu dans un cache, mais je ne l'ai pas pris car il était trop rayé. C'est quoi? Ridge Racer 6. Ridge Racer 6. J'ai chopé à 3 euros et 4 euros. Complet, nickel. Je suis quand même content. Celui-là, il y a même dedans une pub de l'ancien Ridge Racer à l'époque pour mobile. Son mobile, mais ancien qui avait son PlayStation 1. Donc je suis quand même content. Il est complet. Ouais, et celui-là, je crois qu'il cote un peu quand même. J'ai regardé, je crois que celui-là, il n'est pas donné. Il cote un peu. Donc j'ai chopé 3 euros et 4 euros. Tu auras du grand travail là. Hein. Bah oui. Un très grand. Hein. Là, on passe au jeu. Quoi, Yann? PS1. PS1. Hey, les gars, vous allez voir les jeux PS1.
C'est des prix de folie que j'ai touché pour du cash, hein, je parle, pour du cash. Hein. C'est franchement, pour moi, ça équivaut les prix vide grenier. Hein. Franchement, c'est équivaut les prix vide grenier. Il y a même des autocollants, vous allez voir, ça va vous rappeler des souvenirs pour certains. Vas-y, on présente d'abord celui-là. Et non, ça c'est à la fin. Non, c'est ici à la fin. Ah, d'accord. Donc, le jeu Excalibur. Là, j'allais lire, hein. Voilà, c'est pas grave, je l'ai dit. Excalibur, 5 euros, chopé à 4 euros. Donc, il m'a fait une réduction à 1 euro de moins. Donc, ça a été cool de sa part, celui-là aussi. Il est complet. Ah ouais. Notice. Ah, ça c'était bonne vieille notice à l'époque. C'est bien épaisse. Le jeu. Alors, certains jeux sont un peu rayés, d'autres pas du tout. Donc, dans l'ensemble, j'ai essayé de prendre des jeux qui n'étaient pas trop, trop rayés. Alors, je suis obligé de... J'en ai quand même quelques. Je vais y arriver, mais ça va le faire. J'en ai quand même quelques-unes qui sont. J'ai quand même quelques jeux qui sont rayés. Mais d'ensemble, franchement, ça va. Vous vous souvenez, les gars, à l'époque, jeux recyclés, Micromania, ils coûtaient 149 francs à l'époque. 149 francs. Ils sont même pas fichés à retirer chez Carrefour occasion les anciens autocollants. Donc ouais. Ensuite. Un jeu qui est très très sale déjà. Ouais, mais ça je vais nettoyer après. J'ai pas eu le temps de nettoyer encore. Wow. Chronicle. Chronicles of Ottawa Sword. Chronicle of the Sword sur PS1. Content. Un jeu à plusieurs CD. Il était à 4 euros. Bah, il me l'a fait 4 euros, ça il m'a pas fait de remise. On le voit très très bien, même très de loin. Donc celui-là. Il est complet, je suis quand même content. Deux CD, il y a deux CD. Donc, c'est quand même cool. Je suis content. 4 euros. Ensuite. Bénédiction Faut que au tu montes en même temps. carreau de la cité. Ouais, donc, Aztec, malédiction au cœur de la cité d'or. On aurait que dit Donc, du j'ai chopé à 2 euros. Il me l'a fait à 1,30€. Donc voilà, il m'a fait une petite remise, pas de ouf, mais c'est quand même bien. Donc il est complet. 1,30€, le Aztec, Aztec Malédiction au cœur de la cité d'or. ça écrit Aztec ici, on s'est trompé. Vas-y, il faut que tu montes à chaque fois le jeu, quand tu le Oui. présentes. Les boucliers de Quetzal. Ouais, je vais faire. Les boucliers de Quetzalcoatl. Donc, waouh, il est compliqué celui-là comme jeu de nom. Hein, c'est Donc, pour ça que je... celui-là, il était à 149 euros à l'époque. Moi, j'ai chopé, bah, il m'a pas fait de remise sur celui-là, j'ai chopé 5 euros. Donc, ouais, je suis quand même content. Ah, ouais, petite pub de la souris de l'époque, PlayStation. Le jeu, enfin, la notice avec derrière Famille cache. la pub sur la carte mémoire. Et enfin, le jeu. Donc, celui-ci, chopé 5 balles. 5 balles. Ensuite, Assault. il faut le montrer à chaque fois le jeu. Assaut, chopé à 2 euros. Il m'a pas forcément réduit le prix. Celui-là, il reste à 2 euros. Par contre, j'ai pas vu au début qu'il n'y avait pas de cover en face. Bon, c'est pas grave, il y a la notice. Il y a le jeu. Donc, ça, les jeux, il faut que je les nettoie tous. Je vais tous les nettoyer avant de les mettre dans des polybags. Donc, 2 euros. 2 euros le assaut. Ensuite. Versailles, ouais, faut aller vite, Ilan. On a pas. Versailles, il est là. Donc, chopé à 2 euros et 5 euros. Ouais, faut que tu présentes les jeux en même temps. Il n'est pas habitué encore, c'est pour ça. Il faut que tu présentes en même temps que tu parles, en même temps que tu donnes le titre. Ouais, ben toi tu vas lire les titres et moi je vais Non, dire mais il faut présenter. Winnie l'ourson à la chasse au miel du tigre. Oh mon god, Ouais, c'est très donc, très long. ouais, Winnie l'ourson, la chasse au miel du tigrou. Donc, celui-ci, il était à 2 euros, 1,90. J'ai chopé à 1 euro. Il m'a fait une remise. En platium, 1,90. Chopé à 1 euro. Il me l'a fait 1 euro, celui-là. Le cinquième élément. Le cinquième élément, complet, il était à 15 euros à l'époque. La petite pub et tout. Et moi, je l'ai chopé. Alors, il était à 4 euros, à 5 euros, il me l'a fait 3 euros. Donc voilà. Mais bon, il m'a fait des bons prix parce que il m'a dit que c'est la première fois qu'il voyait un mec sortir autant de jeux. Il m'a dit que généralement, les gens s'en foutent un peu des jeux PS1. Ils prennent tous des jeux PS4, Xbox One ou Switch. Xbox ou oh, je croyais que c'était Non, Switch. c'est tout. Même 360, ils en prennent un peu, mais pas tant que Ouais, ça, il ben m'a c'est ce dit. que j'allais dire. Mais voilà. Ensuite. Tintin objectif.
sportif et aventureux. Alors ça, quand j'étais petit, j'aimais bien. Tintin? Ouais. Ah oui, mais la télé, pas, je t'ai jamais fait jouer ça sur la PlayStation. Donc ouais, Tintin, en très bon état. Objectif aventure, il était à 5 euros, il me l'a fait à 3 euros. Ah non, là ça l'est. Être... Ah non. Tunguska. Tunguska, voilà, il est compliqué à dire. Même toi, t'arrives pas. Ouais, mais moi j'arrive pas. Il était à 3 euros, et ben il me l'a fait à 3 euros, ça n'a pas changé ça. Il est complet, notice et tout. Quand même content. 3 balles. Recyclé Populous Tower Vegna Populous The Beginning. Donc celui-ci il était à 3 euros. Bah, il était toujours à 3 euros. Il a fait 3 euros. Il n'a pas changé de prix pour celui-ci. Donc voilà. Je préfère les titres des jeux en français. Ça sera plus facile. Il n'y a pas beaucoup. Hein. Ah ouais. Tiens, déjà j'ai trouvé. Présente à chaque fois. Disney Atlantide, l'Empire perdu. Ah Disney bon. Atlantide, l'Empire perdu. Et était à 2 euros, mais il a fait 1,30 euros. Je crois que c'est à partir de tout public. Ouais. Et il y a une manette, il y a une pub de la manette. Ah, j'ai vu une mouche passer, je ne sais pas si vous avez vu passer une grosse mouche passer. Je l'ai vu. Donc ici, il était à 2 euros, mais il a fait 1,30 euros. Disney jeu d'action, Disney présente Hercule. Donc Disney jeu d'action présente Hercule. Donc celui-ci était à 2 euros, ben, il me l'a fait à 1,30 euros. Donc voilà, il est complet. Notice et tout. Donc vous avez vu, il m'a fait pas mal de promos. Il m'a fait pas mal de jeux à bon prix. C'est pas mal. Chasse à Tower Expert. Chasse de Expert. The Express, Chasse The Express. Alors celui-ci, il était à. Ah, il est sur deux CD, vous savez, j'ai même pas fait de son. Il est sur deux CD Platinum avec une pub de la carte mémoire. Celui-ci, il était à 2 euros, mais il a fait 1,30 euros. Il était caché le CD? Ouais, c'est un CD par derrière l'autre. Encore ces deux-là. Non, c'est. Si, c'est là. Alors vas-y, celui-ci. Chine. Alors celui-ci. Je croyais que c'était un jeu d'horreur, mais non, c'est à partir de 3 ans à 18 ans. Celui-ci est complet, mais j'ai pas vu, il y avait ça. Il manque le jeu sur le. Sur la tranche, le titre sur la tranche, donc c'est pas. Tant pis, c'est pas grave. J'ai chopé à. Il était à 3 euros. J'ai chopé à 2 euros. Je croyais que c'était un jeu d'horreur, Sim, parce que. Parce qu'on voit le couteau déjà, mais non, c'est à partir de 3 ans. Non, je sais pas, c'est un jeu de quoi si. D'énigmes, je crois. Non, c'est des énigmes. Âgé, 3 ans. Ouais, des 3. Ah oui, à partir de 3 ans, ouais, c'est vrai. C'est bizarre. Non, c'est un jeu d'énigmes, c'est pour ça. Ensuite, vas-y, c'est quoi, Eliane, ça? Atlantis, c'est secret d'un monde oublié. Atlantis, secret d'un monde oublié. Il est sur 2 CD, ça, je crois. Ouais, non, 3 CD. Oh 3 CD. Donc, il y a. J'ai même pas vérifié si il y a les 3 CD. Je vais arriver en même temps que vous. Donc, la notice, 1 CD. 2 CD, je trouve déjà. Allez, 2, 3. Ah non, 4. Non, c'est 3 CD. Donc, 3 CD, c'est bon. Il était à 2 euros, il me l'a fait à 2 euros. Il n'a pas bougé le prix. Donc, Atlantis, 2 euros. Ensuite. Tower Ultimate Invasion. Tu fais comme ça. Extreme Ghostbuster, The Ultimate Invasion. Celui-ci. Content, il est en bon état. Il était à 5 euros, il me l'a fait à 4 euros. Vous avez vu, il m'a fait pas mal de remises. Voilà, maintenant on va passer aux jeux les meilleures affaires que j'ai fait, je pense, à mon goût. Sauf celui-là, le premier que je vais vous montrer. Bon, c'est le prix. Pour moi, c'est le prix normal. Alors, le premier que. Tekken 3. Attends. Tekken 3. Celui-ci était à 13 euros, il me l'a fait à 11 euros. Donc voilà. Alors, il avait le Tekken 3. Il y a une grosse notice de ouf sur la version Platinum. Il avait le Tekken 3 en Black Label. Mais je ne l'ai pas pris parce qu'il était trop rayé. Il était vachement rayé. Et en plus, je trouve que la version Platinum, je ne suis pas fan d'habitude de Platinum. Mais cette version Platinum-là, elle a une très grosse notice par rapport à l'autre. L'autre, il avait la notice. C'était une notice que français. Mais sur la version Platinum, il y a toutes les langues. Elle est vraiment très, très grosse la notice. Et je trouvais ça pas très mal. Pas mal du tout. Donc, j'ai chopé à 11 euros au lieu de 13 euros.
Donc 2 euros de remise, quand même content. C'est cher un peu. Hein. Rayman 2, alors. On a Rayman, mais sur Wii U. Wii U et PS Vita. Oui, je crois que c'est. Wii U, on l'a ? Non, on l'a sur. Oui, on l'a sur Wii U, Rayman. Ah, ok, j'ai pas fait de son. On l'a sur Wii U, PS Vita et tout. Sur Wii, enfin, vous connaissez, Rayman, c'est un classique. Donc, Rayman 2, complet. Alors, il était à 5 euros, j'ai chopé à 3 euros. Vous avez vu, les gars, avec Carrefour Occasion, franchement, j'en ai fait deux. Le premier que j'ai fait, j'étais dégoûté, je suis parti. Franchement, j'ai vu des prix, je n'ai jamais rentré leur jeu. Je suis parti au deuxième, peut-être 2 jours après, je suis parti à un deuxième qui n'était pas très loin. Et les prix, ça n'avait rien à voir pour la PS1. Par contre, les autres jeux, c'était cher. Hein. Franchement, ça ne vaut même pas le coup. Hein. Ça vaut plus le coup d'acheter dans les micromanettes deux fois que d'aller à Carrefour Occasion pour les jeux next-gen et récents, quoi, en gros. Après, voilà, vas-y, présente celui-là. The Grand Stream Saga. Je croyais que c'était Sega. Saga, donc il est complet. Il est un peu sale, mais il est complet, il est propre, il est pas trop rayé, je crois, celui-là. Je vais regarder, il me semble, de mémoire. Il était pas non, trop rayé. Non, il est pas rayé du tout, même. Il est pas rayé du tout, il est clean de chez clean. Celui-ci, je l'ai chopé. Notice, c'est belle notice. T'as pas connu un PlayStation 1, hein? Ouais, hein. Je te ferai jouer à l'occasion. Je l'ai encore. Sauf qu'à chaque fois que je fais jouer à PlayStation 1 et tout, je passe par un émulateur, un Raspberry, parce que c'est moins relou que de sortir toutes mes consoles. Alors que là, avec une seule console, avec un émulateur, on a tout en une fois. Donc, je me fais pas chier des fois. Donc, celui-ci, j'ai chopé à 7 euros et 10 euros. Sur PlayStation 1, je vais essayer Rayman 2. Moi, je mettrai Rayman 2 à l'occasion. Donc, voilà, 7 euros et 10 euros. Super content. Ensuite, vas-y, je te laisse présenter. Mais je suis pas fan de Rayman 2. Saga. Oh, mais. Ah, ça, d'accord. Saga Frontier 2. Saga Frontier 2. Content, il est complet. Ah non, il est pas complet, il manque la notice. J'ai quand même pris. Il manque la notice. Ah. Peut-être elle est perdue, hein. Ils l'ont pas, de toute façon, c'était sûr. Il est très très propre. Donc, ça, si quelqu'un a la notice, il veut bien me l'échanger contre quelque chose. Qui me tient au courant, me la vendre à bon prix. Donc voilà. Donc celui-ci, il était à 2 euros, mais il a fait 1,30 €. Faut changer la boîte car la boîte est fissurée derrière. Mais franchement, un Saga Frontier à 1,30 €, c'est vraiment pas cher. Pandemonium. Pandemonium 2. Celui-ci, c'est un jeu de coup de cœur de mon enfance. C'est ce que papy m'avait offert, papy le mien, pas celui de maman. Donc c'est mon grand-père m'avait offert à l'époque, enfin mon père plutôt, son grand-père lui, mon père m'avait offert à l'époque. C'était un de mes premiers jeux avec ma PlayStation 1. Il me semble que c'est faisait partie des premiers avec Croc. Donc voilà, Pandemonium 2 ou le Pandemonium 1, je sais plus, j'ai eu les deux en tout cas. Pandemonium 2, chopé à 10 balles et m'a pas fait de remise, donc j'ai eu à 10 balles. Attends, mais tu vas échanger un jeu contre une notice? Non, une notice, c'est un jeu contre. Non, une notice contre quelque chose ou peut-être un jeu que j'ai pas besoin, je sais pas, faut voir. En tout cas, voilà. Après, c'est quoi celui-là? Alone Into the Dark. Tornado Nightmare. Donc, Halloween in the Dark. The New Nightmare. Ouais, donc, c'est compliqué à dire. Celui-ci était à 10 euros. J'ai chopé 8 euros. Donc, content. Il y avait 2 CD, notice. Franchement, les jeux, ils sont en moyenne très très propres. Hein. Franchement, il y a quelques-uns qui sont rayés. Mais c'est des petites rayures. C'est pas des rayures de ouf de mémoire. Ensuite, non, peut-être pas celui-là, on va le présenter après. Ouais, celui-là. Vas-y. Oddworld, l'Odyssée d'Ab. Oddworld, l'Odyssée d'Ab. Chopé à 5 euros. C'est presque comme Mario Odyssey là. Donc ouais. C'est presque comme Mario Odyssey. Hein. Ouais, c'est presque comme Mario Odyssey. Donc je payais 5 euros. Il m'a pas fait de remise spécialement dessus. Donc ouais. Le Halloween the Dark, je me souviens plus si j'ai dit le prix, mais il était à 8, il était à 10 euros. Il m'a fait 8 euros le Halloween the Dark. Je m'en rappelle plus si j'ai dit le prix. Non, peut-être pas celui-là. On va faire. Attends. Ouais, bah si, celui-là. Blitz of Fire 3, on dirait le paradis. Blitz of Fire 3, de base, il est complet. Même avec la petite pub Game One. C'est une bonne chaîne de jeux vidéo à l'époque. Hein. C'est vrai que je ne regarde plus trop.
Il n'y a plus Megaman derrière. Alors, Brit of Fear 3, il était à 10 euros. Il me l'a fait à 5 euros. Les mecs, on dirait. Donc, par contre, c'est des boîtes à boîtes. Pas cassé, je pensais qu'il était cassé, mais il était boîté. Les mecs, on dirait le paradis. Ah, parce qu'il y a une espèce d'ange ou je sais pas quoi. Donc, Brit of Fear 3, il était à 10 euros. Il me l'a fait à 5 euros. Je suis quand même content. À chaque fois, quand je rentrais chez moi, j'ai comparé le ticket de caisse, j'ai regardé tous les prix, à combien ils étaient. J'étais derrière au stylo, à combien j'ai touché par rapport à ce qui était écrit sur le ticket de caisse. En fait, ce jeu, il vous avait montré, mais celle-là, elle est en promo. Ouais, voilà, j'avais payé 23 euros de base. Enfin, non, je l'ai en trois fois. Celle-là, c'est le troisième exemplaire. Oh. J'ai mon exemplaire d'origine que j'avais à l'époque où il était sorti. J'ai l'exemplaire que j'ai chopé il n'y a pas très longtemps parce qu'il était quasiment mint. Et j'ai l'exemplaire que j'ai chopé là parce qu'il était vraiment pas cher. Donc voilà. Ensuite, allez, on va faire celui-là. Vas-y, okay. Présente-le. Dino Crisis. Il était à 10 euros. Il me l'a fait à 7 euros. Il est normalement complet. Ouais, il est complet, la notice, il y a même les petites pubs, les petites cartes d'époque. Donc voilà. Il y a même cette pub là aussi, je crois qu'il y en a une autre. Il y a même la pub de Virgin Interactif de l'époque aussi. Donc ouais. Je suis quand même content, il était nickel aussi, il est très très propre. Franchement, c'est la folie, les jeux passionnants que j'ai eu, c'est la folie les prix. Donc, il était à 10 euros, il me l'a fait à 7 euros. Hé, les mecs, à l'école, j'ai regardé un film à partir de 13 ans. Ah ouais? Ah ben ouais, hein. Ah, c'est pas bien, ça. Mais ça va quand même, je fais pas peur, hein. Et donc, avec tout ce que j'ai chopé, en tout cas, là, pour l'instant, je suis pas prêt de faire de vide-grenier, car déjà, j'ai dépensé pas mal d'argent. Et des deux, je trouve que je suis quand même satisfait. J'ai tout fait sur un seul endroit, dans un magasin, avec une facture et tout. Franchement, des fois, tu te dis, tu vas avoir envie de grenier, tu vas te lever, tu vas perdre ton temps, tu vas être KO, tu vas tourner, tu vas revenir avec pas grand-chose ou avec des trucs qui valent le coup, mais sans plus, pas des trucs de ouf. Là, je suis quand même content. Là. Par contre, je vais passer du temps à nettoyer, à retirer les étiquettes, à nettoyer tout, ça va me prendre un peu de temps, je pense. Okay. Mais bon, c'est pas grave. Vas-y, présente le prochain. Aussi, c'était Mowgli. Vagrant Story. Un bon jeu Squaresoft à l'époque, j'avais bien kiffé. Ce qui m'avait saoulé un petit peu à l'époque. Ah, d'ailleurs, il y a toutes les pubs derrière Squaresoft. Toutes les pubs de l'époque Squaresoft. Ouais. Il y a le Saga Frontier 2, Final Fantasy 8, wow. Air Gaze, Chocobo Racing et Front Mission 3. Ah, tu peux me l'essayer Final Fantasy 8. Elle est bien, Final Fantasy 8. Hein. Ah ouais, même Final Fantasy 7. Hein. Il est sur PS Vita, je le remettrai. Enfin, j'y ai sur en version PSP, mais sur la PS Vita. Donc celui-ci était à 10 euros, il m'a pas fait de promo dessus, il m'a laissé à 10 euros, donc j'ai payé 10 euros. Donc voilà, peut-être celui-là d'abord, celui-là. Okay. Vas-y. Parasite Evil 2. Parasite F2. Donc celui-ci, il était à 20 euros. Il était à 20 euros, les gars. Il me l'a fait 9 euros. Oh. Franchement, je suis quand même content. En plus, le Parasite F, là, il est complet. Alors, je l'avais déjà, Parasite F2. Mais j'avais la version Platinum. Et franchement, la version Platinum, je suis un con. Parce qu'en fait, à l'époque, j'y avais joué en version... Faut pas le dire, hein, parce que la police, ça va venir chez moi après. En version gravée. Et j'avais tellement kiffé que je l'ai racheté en version Platinum. Et je l'ai ouvert, le blister. Alors que j'avais aucun intérêt à l'ouvrir, parce que j'avais déjà joué en version gravée et tout. Donc, je sais pas pourquoi à l'époque, j'avais ouvert. Mais c'est pas grave. La version Platinum, il est neuf. Il avait juste été déblisté, mais pas joué. J'avais beaucoup joué à une version gravée et là j'ai été surpris. Je me suis surpris parce que je voulais la version Black Label, la version classique. Donc, il était à 20 euros, mais il a fait à 9 euros. Franchement, il était super cool. En tout cas, le gars de Micromania, le gars de Carrefour Occasion, si tu vois la vidéo, je crois qu'il s'appelle. Je ne peux pas dire son nom parce que c'est juste son famille qui avait écrit. Mais en tout cas, si tu vois la vidéo, je te remercie. Ça a été cool de ta part, franchement. Je suis quand même super content. Mais tu peux liker et l'abonner, hein. Ah oui, liker. En tout, et là, il me reste trois jeux. C'est trois bons jeux aussi. Alors, ouais, c'est ce que j'allais dire après. Vas-y. Legend of... Ah ouais.
Les gens de Offel-le-Gaïa. Les gens d'Offel-le-Gaïa, complet, notice tout, CD. Même la petite pub de Star Ocean. Ah non, il n'y a pas la notice. Je pensais qu'il y a la notice, mais il n'y a pas la notice. Bon, si quelqu'un un jour a la notice de celui-ci, qui me tient au courant, s'il veut bien s'en débarrasser. Il faudrait que je regarde si je ne l'ai pas, parce qu'il me semble que j'ai peut-être le jeu défoncé, mais qu'un utilise. Donc, je vais regarder si c'est le cas. Attends, ça fera un upgrade. C'est pour tout public. Donc, celui-ci, j'ai chopé à 5 euros. 5 euros. Un peu dégoûté que c'est son notice, mais en très bon état. Je crois que le CD, il est pas rayé ou très peu. Je vais quand même regarder. La petite pub de Star Ocean. Vous avez connu Star Ocean, non? Enfin, les petits... Star Ocean 2. Les petits... Non, le CD, il est extrêmement propre. Il n'y a pas une rayure. Les petits de moins de 5 ans, ils n'ont pas le droit Tout public. Ouais, mais les petits de 5 mois, ils n'ont pas le droit de jouer, mais ils ont le droit de regarder. De quels petits? Mais comme par exemple les petits Samois. C'est quoi Samois? Mais tu te rappelles quand j'étais née? Enfin... Non, je m'en vais pas. Vas-y, mais j'étais née le 14 juillet 2013. Ouais, ben... Ouais, ben j'avais... Ben c'est comme si j'étais née le 14 juillet 2013 et que j'ai... Attends. Et que c'est août maintenant, le 14 août, ben j'aurai un mois. Ah oui, mais. Regarder, hein. Bah non, mais un mois, il n'y a pas de bébé qui regarde les vidéos ou qui regarde les jeux vidéo à un mois. Bon. Vas-y, continue. Voilà, c'est du lourd aussi. C'est deux derniers qui me restent. Vas-y, c'est quoi, Ilan? C'était Tao Adventure of Alundra. The Adventure of Alundra. Donc Alundra 1, tout court, on dit. On appelle ça Alundra 1 le plus souvent, tout court. Ah ouais, les gars. Là, celui-là, je vais avoir du mal à retirer ce prix, là, ici. 169 euros, je vais avoir du mal. Je pense que je vais pas tenter le coup. Même avec des 100 CF, je sais pas, je vais voir. Donc voilà, notice. CD. Il est en très bon état. Franchement, je suis quand même content. Et j'ai chopé à... Il était à 10 euros. Ben, j'ai chopé à 10 euros, il m'a pas fait de prix. Mais celui-là, je trouve qu'il commence à côté, celui-là, à Londra. Hein, 10 euros. Et le dernier jeu, Alundra 2. Donc Alundra 2, celui-ci, il est complet, ouais. J'ai préféré quand même le 1 que le 2. Hein. Franchement, j'ai préféré plus le 1 que le 2. Il est en bon état, il y a quelques taches, mais c'est des taches de saleté. C'est un peu de pousse de saleté, donc ça se nettoie facilement. Déjà, ce dessin, il est le dessin du Alundra 1, ben, elle est bien faite que le 2. Donc voilà, Alundra 2, 10 euros. Donc j'ai chopé tout ça pour 154 euros. Attends, on passe le ticket. Au total, ouais, 154 euros, 30 centimes. Ouais, donc... Je vais t'aider un peu. Donc ouais, il y a eu à peu près 41 euros de remise. J'avais contrôlé. Enfin, il n'a pas noté les remises sur son ticket, mais j'ai comparé le prix sur le ticket de caisse et le prix de chaque derrière chaque jeu. Et au total, j'en ai déduit qu'il y avait 41 euros de remise qui m'a fait. J'espérais que tu as payé avec la carte bleue. Hein. Bah oui, je n'ai pas payé. Ouais, si, j'ai pu payer avec l'espèce, mais j'ai payé avec la carte bleue. Donc ouais, je suis sorti avec beaucoup de jeux. Franchement, je suis quand même content. J'ai fait une belle affaire. Ah ouais. Là, maintenant, ce qui va me rester à faire, et c'est quand même compliqué, les gars, c'est de nettoyer tous ces jeux-là. Alors là, je vais passer beaucoup de temps. Ah ouais, ça va passer 10 jours là. Hein. Là, j'en ai franchement pour facilement minimum une heure et demie. À tout nettoyer avec l'essence F et tout, ouais, je sais pas, mais ça va mettre longtemps. En plus, moi, j'aime bien retirer les boîtes, tout nettoyer à l'eau et attendre que ça sèche et tout remettre. Donc, ça met longtemps un peu. En tout cas, voilà, j'ai chopé tout ça pour 154 euros. Franchement, moi, je trouve que c'est quand même une belle affaire. Je sais pas ce que tu en penses. N'hésitez pas à dire si ça vaut le coup ou pas. S'il y a des jeux que j'ai payé plus cher que leur prix, ou des jeux que j'ai payé beaucoup moins cher, ou dans l'ensemble, est-ce que tout ça vaut le coup pour 154 euros? Je vous mets une vidéo de tout ce que j'ai chopé à 154 euros. Je vais vous faire une petite photo vidéo groupée de tout ce que j'ai chopé. En tout cas, voilà. Si la vidéo, elle t'a plu, Ilan, qu'est-ce qu'il faut dire? N'hésite pas à liker, à t'abonner et à clocher la cloche des notifications. Ok, bon, c'est bon, on ne dit pas que je fais la notification, mais j'arriverai jamais à lui faire retirer ça.
Mais bon, c'est pas grave. En tout cas, voilà, si la vidéo t'a plu, like. Et qu'est-ce qu'on dit? Il fait beau aujourd'hui, regardez, il fait beau aujourd'hui, hein. On est le printemps là, on est en printemps. Ouais, c'est vrai qu'on est printemps, ouais. On est presque en été là. Non, il reste un peu de temps, là. On tourne la vidéo. On n'est même pas encore mi-mai, bientôt mi-mai. Donc ouais, c'est... Ouais, 2 mois, c'est le printemps à peu près. L'été plutôt, l'été. En tout cas, voilà. J'espère que la vidéo t'a plu et je te dis bye, ciao tout le monde.